Pourquoi ? Eh bien, pour la raison que je vais vous citer dans quelques instants. Regardez, admirez le physique, le modèle de ce cheval qui débute étalon, je vous le rappelle, donc... Il est encore cheval de course, forcément, parce que ça a été un véritable guerrier de 2 à 6 ans. Nous l'avons vu, il y a quelques secondes, s'imposer donc dans son groupe 1, le critérium de Saint-Cloud, monté par Tony Picon. Robin of Navan, qui, sous l'entraînement de Harry Dunlop, a réalisé une grande carrière internationale. Parce que s'il a gagné groupe 1 à 2 ans, eh bien, il a continué à ce niveau, c'est-à-dire au plus haut, jusqu'à l'âge de 6 ans. Il a couru un peu partout en Europe, sinon dans le monde, accumulé les victoires de groupe et les places de groupe 1. Et c'était vraiment un plaisir de le voir revenir en France pour peut-être succéder à son père et à son grand-père. Parce que son père, c'est American Post, le défunt American Post. Souvenez-vous, formidable American Post qui a fait sa carrière d'étalon pour sa plus grande partie, en tout cas, au Rade des Tréants, et qui l'a poursuivi et terminé au Rade des Tréants où il est mort trop tôt, malheureusement. American Post, formidable étalon. Et le père de Mers, ce n'est autre que Mutatir, 24 ans, toujours là, toujours présent et qui continue de faire plaisir à tout le monde.